الأولوية لحدث مشاهدينا تغطيتنا الإخبارية متواصلة على مدار الساعة مباشرة إلى فعاليات اليوم المفتوح المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وكلمة الوزير وزير الطاقة مصطفى قيتوني نستمع. Investisseurs et avec la compagnie nationale de Sonatrach. Notre secteur continuera d'œuvrer à mettre en place les conditions les plus optimales, confortant l'option du partenariat à moyen et à long terme. En effet, je reste convaincu qu'il y a au moins trois conditions qui nous permettront de réaliser des projets fructueux compte tenu de l'énorme potentiel d'affaires dont dispose notre pays. D'abord, une bonne compréhension des attentes et des capacités des partenaires. Ensuite, la détermination d'objectifs et bénéfices communs. Et enfin, l'instauration d'un climat de confiance dans un cadre contractuel gagnant-gagnant. Je reste convaincu également qu'il est nécessaire de faire preuve à la fois d'efficacité, de flexibilité et d'écoute envers les opérateurs, partenaires et investisseurs. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit justement dans cette même volonté. Nous avons déjà engagé les concertations, notamment avec les compagnies pétrolières et gazières, à l'effet de cerner leur compréhension de nos textes législatifs et réglementaires, voire leur appréhension en rapport avec nos dispositions fiscales. Nous entendons y apporter des éclaircissements, mais encore aller plus loin en agissant sur les conditions d'attractivité afin d'améliorer l'environnement des affaires, et cela au bénéfice de tous. Comme vous le savez, nous avons annoncé le lancement d'une réflexion sur l'amendement de la loi sur les hydrocarbures. En effet, les conditions actuelles du marché pétrolier, conjuguées aux risques géologiques toujours présents dans les travaux de recherche ou d'exploitation, et quel que soit l'endroit considéré dans le monde, nous ont mené à réfléchir et adapter le cadre légal et réglementaire aux conditions ci-dessus évoquées. Ainsi, il est prévu l'introduction de nouvelles dispositions pour l'encadrement des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en zone, en offshore et en onshore. Ces dispositions doivent faire partie des mesures d'encouragement des compagnies souhaitant mener des opérations dans ce domaine. Il s'agit là d'un signal fort que nous envoyons aux investisseurs. Ces amendements visent effectivement à améliorer notre attractivité dans le domaine de la prospection, l'exploitation des hydrocarbures, de façon à, d'abord, renouveler nos réserves, diversifier le statut des industries pétrochimiques de transformation, investir plus dans le raffinage et créer de bonnes conditions pour une valorisation locale optimale de nos ressources. D'une part, ceci nous permettra de faire face aux besoins croissants de notre marché intérieur et d'améliorer les recettes du pays. D'autre part, nous considérons notre position d'acteur actif et fiable dans les marchés régionaux et internationaux. En parallèle, nous veillons à tout mettre en œuvre pour créer des passerelles solides avec nos partenaires et leur apporter l'aide et l'assistance nécessaires dans leur démarche vis-à-vis de l'administration. À ce sujet, permettez-moi de vous faire part de notre résolution ferme à faire la guerre à la bureaucratie et à éliminer les entraves légales et administratives à l'investissement
Notre système de prise de décision et d'initiative doit être révolutionné, devenir plus souple, plus indiqué à favoriser le climat des affaires et la création de richesses. Il est inconcevable aujourd'hui, dans notre pays, des opérateurs se plaignent de lourdeurs bureaucratiques auxquelles ils sont soumis pour le démarrage et la mise en œuvre de leurs projets. Les réformes institutionnelles et juridiques que nous menons visent de façon pertinente à mettre en place un espace plus convivial pour le doing business. Voilà pourquoi ANAFT, mais encore notre administration en général, doivent répondre à cet impératif. Mesdames et messieurs, le domaine minier national en hydrocarbures est très vaste et demeure peu exploré et peu connu. La surface totale du domaine minier hydrocarbures dans notre pays dépasse 1,5 million de kilomètres carrés. La densité de forage avoisine quant à elle 14 puits par 10 000 mètres carrés. Je dis bien 14 puits par 10 000 kilomètres carrés. Nos réserves en ressources conventionnelles et non conventionnelles sont très importantes et nous placent parmi les premiers pays au monde. Il y a lieu de signaler à ce sujet que plusieurs découvertes ont été réalisées récemment, y compris durant l'année en cours. Nous avons également ouvert de nouvelles provinces pétrolières et gazières, conséquence de l'effort de recherche. Nous avons aussi encouragé les travaux de recherche et d'exploitation dans le nord de l'Algérie, dans les zones offshore ainsi que dans les zones éloignées des installations existantes, ou la géologie complexe. À cet effet, l'activité transport verra une extension de son réseau de pipes et les capacités de traitement et de stockage seront augmentées en conséquence. Toutes ces opportunités que je viens de citer d'investissement sont ouvertes à nos partenaires et investisseurs. Ajoutez à cela les infrastructures de bonne qualité dont l'Algérie dispose, de même que des conditions d'exploitation avantageuses et de sources humaines qualifiées. Mesdames et messieurs, l'ensemble des efforts fournis dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que les résultats enregistrés, que ce soit en effort propre ou en partenariat, témoignent des possibilités réelles existantes dans ce domaine. Nous sommes certains qu'avec la capitalisation des connaissances acquises, ainsi que des techniques et technologies mises en œuvre, des découvertes importantes viendront s'ajouter à celles enregistrées chaque année. L'agence ANAFT, dans ce sens, joue un rôle important. Elle doit renforcer ses capacités de conseil et d'expertise devant lui permettre de consolider et d'approuver les plans de développement moyen et long terme du secteur des hydrocarbures. Elle doit surtout devenir une source de propositions pour rendre le domaine minier national des hydrocarbures plus attractif, tout en préservant les intérêts stratégiques de l'État en la matière. Pour terminer, je formule mes vœux de plein succès autant aux organisateurs de cette journée qu'à l'ensemble des participants, notamment les compagnies en quête de projets dans l'amont et l'aval pétrolier en Algérie, en les assurant de trouver auprès de nos équipes tout le professionnalisme requis pour la réussite de leurs opérations. Je vous remercie de votre aimable attention.